Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose dans cette nouvelle vidéo d'apprendre à calculer votre zone de promenade, le kilomètre réglementaire autour de votre domicile, dans le cadre du confinement du Covid-19. Donc ici, je vais lancer mon navigateur Internet. Donc là, j'ai pris Microsoft Edge. Donc une fois que je suis dans Google ou Quant ou Bing, je vais taper Géoportal. Là, je viens sur le site Géoportal. Alors, on patiente un petit peu. Là, je vais sur carte. Hein. On va aller carte aérienne. Donc la carte apparaît. Donc ici, ensuite, je vais aller sur la petite roue, la clé à molette, hein, qui est les outils cartographiques. Je clique dessus. Ensuite, je vais aller sur mesure. Et ici, je vais cliquer sur calculer une isochrone. Donc ensuite, je vais saisir l'adresse. Donc là, je vais mettre 10 du four 56 700. Je clique dessus. Donc là, il y a une petite épingle qui est venue se mettre sur la carte. Donc ensuite, je vais aller sur ISO distance. Là, je vais mettre 1 km. Et ici, je vais cliquer maintenant sur calculer. Et là, hein, il vous a calculé la zone sur laquelle vous avez le droit de vous promener, hein, c'est-à-dire le kilomètre réglementaire. Alors, on va le faire avec un autre lieu. Alors, ici, je vais effacer. Je vais mettre, par exemple, 4 places de la mairie à Langodon. Donc là, je valide par entrée. Voilà. Hein, donc ici, c'est bien le kilomètre. Hein, et je viens sur calculer. Si le site de Géoportail vous intéresse, je mettrai un lien vers celui-ci tout à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me proposer des suggestions de tutoriels. Restez chez vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!